on a publié une map sur Fortnite créatif. Eh bien, yo tout le monde les gars, c'est Azer. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Fortnite créatif. On va voir comment publier une map. Vous allez voir, c'est très simple. Avant de commencer la vidéo, les gars, je voudrais vraiment vous remercier pour les 2000 abos qu'on vient de passer aujourd'hui. On a fait un live cet après-midi, c'était vraiment une dinguerie. C'était incroyable. Les gars, j'ai jamais vu ça, c'était incroyable. Et avant de commencer aussi, les gars, la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Maintenant, on rush les 2100 abos. Et aussi, n'hésitez pas à aller dans la boutique d'objets, de descendre en bas à droite et de mettre soutenir un créateur Azer en minuscule ou en majuscule. C'est la même chose. Acceptez, les gars, vous êtes vraiment les boss. Merci à vous. Nous, les gars, on est directement parti pour la vidéo. Let's go! Re les gars, du coup, une fois que vous êtes sur Fortnite créatif, donc vous allez dans mode de jeu, vous lancez le créatif. Une fois que vous êtes dans la map, les gars, vous allez choisir votre île que vous voulez publier. Donc par exemple, moi j'ai ma map 1v10 délai que j'ai déjà publié. Le code il est à l'écran, les refs. N'hésitez pas à y jouer, je vois beaucoup même qui y joue un peu. C'est carré. Donc les gars, on est bientôt à 800 parties dans cette map. On est à 717, un truc comme ça. Vraiment, c'est une dinguerie. Donc n'hésitez pas à les jouer. Et les gars, vous pourrez peut-être me trouver. Donc le code, voilà, il est juste ici. 2679 21 21 59 32. Une fois que vous avez votre map, les gars, allez-y dedans. Voilà, donc on spawn tranquillement dedans. Parfait. Une fois que vous êtes dans votre map, que vous avez fait votre map, qu'elle est finie, etc., que vous voulez la publier, les gars, il faut savoir qu'il faut un code créateur. Mais nous, les gars, on est intelligents, n'hésitez pas à aller la voir. La vidéo qui s'affiche en haut à droite de l'écran, comment avoir un code créateur sur Fortnite, 5000 abonnés. Donc, allez faire ça, les gars, avant de publier votre map. Vraiment, c'est un conseil. Donc, une fois que vous aurez votre code créateur, ou toutes les personnes qui en ont, il vous suffira d'aller dans le menu Options. Vous allez aller dans Mon île. Description. Et une fois que vous êtes là, les gars, il y aura la description de votre île, comment vous allez l'appeler. Donc moi je l'appelle map 1v10 délai. Cette map est une map 1v10 délai, code de la map, code créateur Azer. Une fois que vous avez mis la description, les gars, faudra aller dans assigner jusqu'à 4 étiquettes. Donc vous allez modifier les étiquettes et vous allez prendre les étiquettes qui définissent votre île. Donc moi j'ai mis combat, action, construction et 1v1 parce que c'est du 1v1 et c'est du combat, de l'action, c'est des constructions. Donc moi je l'ai dit ça. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez soit définir la photo de votre île. Donc qu'est-ce qu'il y aura en miniature. Donc on peut la mettre comme ça. Hein. Par exemple, c'est très bien comme ça. Mais nous on va pas faire ça les refs. Nous on l'a déjà fait, c'est elle que vous voyez à gauche. Une fois que vous avez fait votre petite description, on va faire sauvegarder l'île. Donc moi je l'ai déjà fait, donc je vais pas rappuyer dessus. Et une fois que vous avez fait ça les refs, c'est très très simple. On va appuyer sur publier les gars. Et là vous me remettez la description de votre île, donc ce que vous voulez. Et là map 1v10 délai, le code pardon, il s'affiche en haut à droite les refs. Il est juste ici. Et une fois que vous avez fait ça, vous appuyez sur publier. Voilà les gars, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi c'est un tuto que je voulais faire vraiment parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé. Donc voilà, c'est comme ça qu'on publie une map créative. Allez, bon, voilà, c'était Azer les gars. Ciao. But there's always a new fight, always a rough night. Cause it takes a few tries to get something new right. When it's been a tough life, you need a new view sight. To see what to do like, to make a new move right. And I could feel the weight of the world, better brace fast. Got a little blood in my mouth, I can taste that.